Vous sentez que ça pique quelque part ou jeter par terre, j'attends que j'arrive. Ok, bon, ça va aller. Ah oui, mais bon. Vous avez bien vu, vous courez dans cette direction. Par contre, il y a du monde là-bas, attention. Merci, madame, pour avoir ce petit bureau. Soit vous passez au-dessus, ou alors vous arrêtez avant, quand même. C'est ça. Bon, alors, allez, trêve de plaisanterie. Moi, je vais simuler l'action de chasse. On a entendu les chiens qui ont volé un jeune renard, il va sortir à découvert. J'ai peut-être une chance de le capturer. Si mon oiseau attrape cette fausse proie, ça veut dire que c'est bon, il est prêt pour partir à la chasse. Alors, comme j'entends les chiens au loin, je commence à desserrer mon chapeau. Alors on est reparti dans une après avec les enfants ensemble, on va compter jusqu'à 3. Vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3, c'est parti. On go. Allez, part. Nos amis, voilà, c'est bon. Plus de 90 hectares. Ouais, j'estime que la tête, là, il a couru. On va faire mon fusil, quand même. C'est pas grave, merci quand même. Alors, vous avez vu, donc là, on ne met pas trop vite, mais l'oiseau a été saisi. Alors ça veut dire que voilà, l'oiseau, malgré un petit peu l'environnement compliqué d'aujourd'hui, il s'est pas posé de questions, il a été capturé cette fois, et donc ma foi, la tenaille avec ses serres, on en parlait tout à l'heure. Donc là, une buse comme ça peut venir à bout d'un renard, d'un jeune renard, en fait, simplement par pression sur la voie crânienne. Moi qui chasse le chevreuil avec un aigle royal, eh bien ma foi, un chevreuil qui fait 25 kg, un aigle royal qui en fait à peine 5, eh bien voilà, en 10-15 secondes, crash, on voit la voie crânienne. La pression est tellement forte, d'une 150 à 200 kg au centimètre carré, et bien automatiquement l'animal va succomber. Donc là, l'oiseau, bien sûr, mange sa pitance. Elle avait une récompense d'accrocher sur ce leurre. C'est pas tout justement de faire une capture, mais aussi la récupérer. Enfin, Conneries, on a un terme très adapté. On dit que l'on fait capturer le poisson.